Bien que des taches blanches persistent encore dans l'histoire, les scientifiques affirment que globalement, le passé de l'humanité leur est bien connu. On connaît les événements qui sont arrivés dans des pays différents, à des peuples différents, et dans quelle suite? Les noms des chefs des pays et les biographies de dynasties entières. De plus, les historiens utilisent de nombreuses méthodes à l'aide desquelles ils essayent de connaître avec plus de précision les détails et les dates des événements, et même de restaurer des pages inconnues de l'histoire. Les historiens sont persuadés qu'en tant que science, l'histoire repose tout d'abord sur des documents historiques, ainsi que sur des découvertes archéologiques et sur des objets matériels de culture parvenus jusqu'à nos jours. En grande partie, c'est exact, mais en réalité, tout n'est pas si univoque. Comme nous l'avons démontré dans le film précédent, quasiment toutes les méthodes traditionnelles de datation employées aujourd'hui comportent des défauts importants et des restrictions. De plus, lors d'études de datation d'artefacts et d'objets de culture à l'aide de ces méthodes, peuvent survenir des erreurs de centaines ou même de milliers d'années. On connaît maints exemples de datation erronée. Ce qui veut dire que la chronologie traditionnelle des événements historiques ne peut pas être considérée comme absolument véridique. De là, il apparaît que l'histoire même est en grande partie un mythe, une fiction, un roman, et que l'humanité ne connaît pas son passé aussi bien qu'on le croit. Alors comment pourrait-on connaître la vraie histoire de l'humanité? Comment trouver un moyen pour révéler la vérité? Nous allons parler de l'histoire d'une découverte. Dans les années 70 du siècle passé, le mathématicien russe Anatoly Fomenko travaillait sur la problématique de la mécanique céleste. Dans ce genre d'études, ce sont entre autres les paramètres de rotation de la Lune autour de la Terre qui ont une très grande importance. Fomenko est tombé par hasard sur un travail scientifique intéressant qui traitait justement de ce genre d'études. Ce travail appartenait à Robert Russell Newton, un astrophysicien et mathématicien américain, le directeur du Centre de calcul de la NASA, qui à cette époque travaillait sur la création du réseau de navigation spatiale. Ce scientifique américain a basé ses calculs sur les dates des éclipses lunaires provenant des anciennes chroniques. Dans ces chroniques, les dites éclipses sont au nombre de 370. Le scientifique américain les a analysées, a effectué les calculs nécessaires et obtenu la caractéristique intégrale de la rotation de notre satellite naturel. Le résultat a été fixé par Newton dans ses travaux scientifiques qui sont tombés entre les mains d'Anatoly Fomenko. Si on s'en tient aux études de l'astrophysicien américain, il apparaît que dans l'intervalle entre l'an 800 d'avant notre ère et l'an 1000 de notre ère, le mouvement de la Lune a subi des changements radicaux. Lors de cette période, la Lune a commencé à tourner plus rapidement. Ensuite, la vitesse de sa rotation a ralenti jusqu'à ses valeurs normales. Ce genre de cataclysme ne peut pas être expliqué ni par des positions de la mécanique d'Isaac Newton, ni par des positions de la théorie moderne gravitationnelle de rotation de la Lune autour de la Terre. Selon les lois physiques, la vitesse du satellite naturel de la Terre ne peut pas changer de façon si brusque. Quelle est la raison alors? L'astrophysicien américain a émis une conclusion qu'une force inconnue en serait responsable. De quelle nature serait cette force inconnue? Pourquoi elle ne s'est-elle jamais manifestée après? Robert Newton n'a pas pu répondre à ces questions. De plus, la discussion sur ce problème organisée par l'Académie britannique des sciences en 1972 n'a pas donné de résultats. Ce paradoxe a beaucoup intéressé le mathématicien russe Anatoly Fomenko, qui a décidé de résoudre ce problème. Les calculs de Newton semblaient être corrects, mais le résultat paraissait très bizarre. Finalement, la solution
toujours été trouvée là où personne n'a pensé à la chercher. Les calculs de Newton se basaient sur des dates d'éclipses solaires et lunaires prises dans des chroniques anciennes. Et c'est justement ces dates qu'il fallait vérifier en premier lieu. Il est apparu que les datations d'anciennes éclipses pouvaient être erronées. À une époque, dans les couloirs de la fac de mécanique et de maths, j'avais entendu parler d'un certain scientifique russe remarquable, Nikolai Morozov, qui, d'après ce qu'on racontait, avait mis en doute au sujet de la véracité des datations d'anciennes éclipses et qui disait qu'il fallait refaire ces datations. Il a publié ses résultats dans un livre connu en 7 volumes intitulé « Le Christ ». J'ai demandé à avoir le volume qui contenait les tableaux de ces nouveaux calculs d'éclipses. J'ai vu que Morozov proposait en effet des nouvelles dates pour les éclipses de l'Antiquité, du début et de la fin du Moyen-Âge. Ensuite, j'ai fait la chose suivante. J'ai pris les algorithmes de Robert Newton, dans lesquels j'ai gardé tout sauf les dates des éclipses. J'ai placé dans ces algorithmes des nouvelles dates proposées par Nikolai Morozov, et j'ai refait les calculs de Newton. Après ça, j'ai obtenu une courbe qui est devenue une constante, qui est devenue linéaire sur l'axe du temps. Cet effet bizarre, étrange, a disparu. Les pics ont disparu. Il n'était plus nécessaire d'inventer une force mystérieuse dans le système de Terre-Lune. C'est par ce moyen que j'ai résolu ce problème très intéressant et non trivial de mécanique céleste. L'histoire avec les calculs de Robert Newton et les premiers doutes qui se sont avérés justifiés ont engendré le début d'une grande étude scientifique. Après avoir analysé les méthodes qu'utilisent les historiens pour la datation, et après avoir étudié tous les travaux de Nikolai Morozov, Fomenko est arrivé à la conclusion que non seulement les dates d'éclipses sont erronées, mais que les chroniques peuvent contenir beaucoup d'autres informations non véridiques. Pour vérifier tout cela, il faudra commencer par les bases des bases. Il est connu que la version traditionnelle de la chronologie a été proposée par le philologue, éditeur et commentateur des textes antiques français Joseph Scaliger dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Dans son travail « La rectification de la chronologie », il a décrit des calendriers de peuples différents et, comme on le croit, il a raccordé ces calendriers entre eux. C'est toujours lui qui a en premier appliqué la méthode de datation astronomique des événements d'après les éclipses. Mais presque 400 années plus tard, Anatoly Fomenko a découvert que la méthode du Moyen-Âge était imparfaite et qu'en plus, elle a été appliquée avec de nombreuses erreurs. C'est pourquoi il a décidé de trouver de nouvelles méthodes de datation des événements historiques qui seraient plus précises. C'était le seul moyen de restaurer la vraie chronologie de l'histoire mondiale. Les opposants de Fomenko se sont manifestés aussitôt. Les historiens étaient dans les premiers rangs, naturellement. La personne qui a fait le discours avant moi s'est trompée. Le début n'a pas été fait par Morozov, mais par Newton avec ses deux œuvres. Newton a écrit un livre. C'était un grand scientifique, un scientifique numéro un. L'histoire, ce n'est pas un fil chronologique ou une suite d'événements. C'est un processus complexe où il y a des moments qui sont en rapport avec le système. Je dois constater avec toute ma responsabilité que dans les travaux d'Anatoly Fomenko concernant l'histoire ancienne russe, la totalité n'a aucun rapport avec des méthodes mathématiques ni avec la mathématique dans son ensemble. Les historiens ont défendu que la détermination des dates et la recherche de preuves documentaires est une prérogative de l'histoire et pas des mathématiques. Néanmoins, ce comportement des historiens n'était pas correct. En tant que science, la chronologie est apparue seulement au XVIe siècle de notre ère, et pendant longtemps, elle est restée dans le domaine de la mathématique appliquée. Et on comprend pourquoi. C'était justement des mathématiciens qui s'occupaient de calculs astronomiques, de l'estimation de leur exactitude et qui déchiffraient des textes anciens. Le fait qu'au XXe siècle, ce fut également un mathématicien qui ait décidé de vérifier l'exactitude de ces calculs est tout à fait logique.
Anatoly Fomenko a commencé ce travail en 1973 et durant les 8 années qui ont suivi, il a développé des nouvelles méthodes de datation. Durant ces années, il a travaillé pratiquement tout seul. Heureusement, plus tard, d'autres personnes ont adhéré à ses idées et le travail a commencé à avancer beaucoup plus rapidement. Avec l'aide de ses partisans, Anatoly Fomenko développe avec succès les méthodes de datation déjà créées et en établit des nouvelles mathématico-statistiques. Depuis quelques années, certaines de ces méthodes ont été créées en tandem avec le mathématicien Gleb Vladimirovich Nosovsky. Mon co-auteur Nosovsky Gleb m'a rejoint en 1981. À deux, nous avons pu développer de nouvelles méthodes qui s'ajoutaient à celles que j'avais créées dans la période de 1973 jusqu'en 1980. Plus tard, nous avons travaillé ensemble avec Vladimir Kalachnikov et avec mon épouse Tatiana Nikolaevna Fomenko. Ce groupe s'est constitué il y a plusieurs années en arrière et depuis, nous avons avancé ensemble. Malheureusement, Kalachnikov n'est plus avec nous. Les derniers travaux ont été menés par moi-même, par Nosovsky et par ma femme Tatiana Fomenko. Les méthodes mathématiques développées par Fomenko, Nosovsky et Kalachnikov, ce sont des instruments scientifiques précis. À l'aide de ces méthodes, on peut vérifier pratiquement tous les documents historiques, les manuscrits, des cartes, des biographies de dynasties royales. En suivant des règles, on peut formaliser n'importe quel document. Le document devient alors une unité statistique et subit des analyses croisées rigoureuses à l'aide de plusieurs méthodes. Il n'est pas nécessaire d'être un mathématicien pour pouvoir comprendre comment fonctionnent ces méthodes. Nous allons simplifier intentionnellement notre explication et n'allons pas utiliser de nombreuses formules et calculs afin de vous permettre de saisir l'essentiel de ces méthodes. Est-ce qu'on peut comparer des textes différents? Bien sûr que oui, dira n'importe qui, parce que chaque texte a un sens concret qui lui est propre. Et si on comparait pas seulement des textes quelconques, mais des documents historiques? Par exemple, à première vue, des chroniques différentes décrivent des événements parfaitement différents qui ont eu lieu dans des pays et des époques différentes. Et si en réalité ces chroniques parlaient d'un seul et même événement, il apparaît que ce genre de choses est possible. Mais comment reconnaître cela? Bien sûr, on peut établir ou non des liens entre des textes d'après leur sens, mais l'homme n'est pas toujours capable de percevoir une information de façon objective. Des stéréotypes inculqués depuis l'enfance peuvent l'en empêcher. Comment pourrait-on vérifier alors si les textes parlent d'une même période historique ou pas, si on ne se base pas sur des opinions subjectives? Il arrive souvent qu'en première approche, deux descriptions ne se ressemblent pas du tout. C'est une situation différente. Les deux chroniques seraient tout à fait indépendantes. Mais d'après une analyse mathématique, il s'avère qu'elles sont très proches. Si vous avez dans les mains deux clés inconnues, comment vous pourrez déterminer si elles sont identiques ou pas? Le plus simple, c'est d'insérer la clé dans une serrure. Mais comment faire si cette possibilité est exclue? L'homme compare alors les profils des dents des clés. S'ils concordent, ça signifie que les clés sont identiques. Peut-être ça va sembler vraiment peu croyable, mais on peut comparer des textes exactement de même façon. Pour cela, il faut présenter chaque texte sous la forme de courbes et puis les comparer. Comment réaliser ça? Chaque texte historique décrit des événements dans une suite précise, c'est-à-dire selon des années. Ça veut dire qu'on peut le diviser en plusieurs unités. Par exemple, une unité de texte sera égale à une période d'un an. Ensuite, on analyse le volume de texte contenu dans chaque unité. On peut compter le nombre de pages ou de lignes ou de symboles. Ce qui compte, c'est d'obtenir un nombre qui caractériserait le volume de texte. Sur l'axe horizontal X, on note les années. Sur l'axe vertical Y, on marque les nombres obtenus de volume de matériel.
Par exemple, la description de la première année prend 3 pages de ce texte, de la deuxième, 5 pages, de la troisième, 0, ça peut aussi arriver, de la quatrième année, 10 pages, et ainsi de suite. On construit le même type de graphique pour le deuxième texte. Ces deux courbes, avec un nombre important de pics, représentent les formes des textes, et les formes deviennent comparables. Les pics ou les points les plus hauts du graphique sont appelés par les mathématiciens les éléments maximum. La méthode a été nommée de façon suivante, la méthode de corrélation des éléments maximum. Selon cette méthode, les graphiques obtenus sont comparés d'après les points. Il faut dire que la position sur l'axe vertical de ces points ne joue pas un grand rôle. C'est la concordance des pics sur l'axe du temps qui importe. Si les points de pic concordent, ça veut dire que les profils de deux graphiques sont interdépendants. Cette méthode a été testée sur plusieurs dizaines de textes, et à chaque fois, elle a prouvé son efficacité. Il apparaît que si les textes traitent de la même suite d'événements, les pics dans les graphiques surviennent presque simultanément. Pour donner un exemple, on peut trouver cette concordance en comparant deux textes, l'histoire de Rome, de l'historien antique Tite Live, et les essais sur la Rome antique d'un historien soviétique Vladimir Sergeyev. Les formes de ces textes donnent des pics pratiquement aux mêmes endroits. Il apparaît qu'il s'agit des mêmes événements. Dans ce contexte, c'est quelque chose de clair, car les deux livres traitent de l'histoire de la Rome ancienne. Ici, à l'aide de cette méthode, on étudie deux chroniques qui traitent d'événements tout à fait différents de ce qu'il paraît et qui sont datées d'années différentes. C'est la chronique de Nestor ou la chronique des temps passés, écrite d'après ce qu'on croit au 10e-11e siècle. Et la chronique de Nikolai Nikiforov, qui, d'après l'opinion des historiens, a été créée au 14e-15e siècle. Les historiens affirment que ces deux chroniques sont séparées par presque 4 siècles et qu'elles traitent d'événements parfaitement indépendants. Mais de façon inattendue, les courbes des chroniques coïncident. Les calculs mathématiques bruts prouvent que vraisemblablement, il est question de la même période historique, ce qui signifie que l'âge d'un des documents est erroné et que l'erreur atteint 300-400 années. Ce type d'exemple est assez fréquent. C'est pourquoi c'est uniquement avec des méthodes de mathématiques statistiques qu'on peut analyser les anciens textes de façon vraiment objective. Malheureusement, sans ces méthodes, il est impossible de construire une chronologie. Si l'on voit que les formes des clés sont identiques, il ne peut faire qu'une seule conclusion juste, ces clés ouvrent la même serrure. Mais on essaie instamment de le persuader que les clés sont différentes. Est-ce qu'il va le croire? Probablement non. Dans ce cas, la vérité est évidente pour lui et elle est prouvée matériellement. Les anciennes cartes géographiques peuvent aussi révéler beaucoup de choses intéressantes. Que représente une carte? Ce sont des idées de l'humanité sur le monde à l'époque où elle a été créée. Naturellement, on suppose que tout commençait avec des schémas primitifs qui rappelaient vaguement les cartes géographiques. Mais la navigation s'est développée, ont été menées des guerres et établi des liens commerciaux. Apparaissaient alors des nouvelles connaissances sur les terres et les pays. Ces connaissances ont été très importantes pour n'importe quel pays. C'est pourquoi on les fixait aussitôt sur des cartes et au fil du temps, les cartes devenaient de plus en plus précises et mieux faites. Voici par exemple une carte très rare de 1522 faite par Occupario. L'Europe et l'Asie diffèrent beaucoup des cartes modernes. L'île de Groenland est présentée comme une presqu'île. La mer Noire est étirée verticalement. La mer Caspienne est pratiquement méconnaissable. La Chine n'y est pas. La carte de Cornelius Nicolaï de 1598 contient également beaucoup de distorsions, mais elles sont déjà moins nombreuses que sur la carte précédente.
Et ceci est un monument unique de la cartographie européenne, le grand globe de Willem Blauw, fabriqué sur commande par la célèbre société hollandaise Blauw à la fin du XVIIe siècle pour le roi de Suède Charles XI. À l'œil nu, on peut voir qu'elle est beaucoup plus réaliste que les cartes précédentes. Les contours des continents sont devenus bien plus précis, beaucoup de nouveaux territoires sont apparus. D'après cet exemple, on peut constater que sur chaque nouvelle carte, la quantité de données géographiques erronées diminue et la quantité des données justes augmente. Ça ressemble à la façon dont les enfants apprennent à dessiner au fur et à mesure qu'ils grandissent. Un petit de 6 ans va dessiner le monde de façon simple et naïve. Les arbres comme des traits, les hommes comme des cercles, il va y avoir des fleurs disproportionnées et des animaux magiques. Sur le dessin d'un enfant de 10 ans, les proportions deviennent plus réalistes. Les hommes commencent à ressembler à des humains, des personnages de contes de fées n'y figureront presque plus. Et enfin, un adolescent de 16 ans va essayer de bien dessiner tous les détails, les mouvements, le regard. Il est quasiment impossible de confondre la succession de ces dessins. C'est aussi de cette façon qu'on peut comparer les cartes géographiques. Mais la comparaison visuelle ne suffit pas pour une étude sérieuse. Il faut obtenir une confirmation scientifique. C'est réalisable grâce à une méthode d'Anatoly Fomenko qu'il a appelée la méthode de reclassement et de datation chronologique juste des anciennes cartes géographiques. Prenons quelques anciennes cartes. Par exemple, une carte d'Hartmann Schedel, publiée d'après l'opinion des historiens en 1493, une carte de Petrus Apennus, qui serait datée de 1520, une carte de Basel Solinus de 1538, une carte de l'Atlas de Mercator et Ondius, qui serait sortie en 1607. À chaque carte, on attribue un numéro ordinal en fonction de la date officielle de son apparition. Ensuite, il faut élaborer une caractéristique complète de chaque carte. Pour cela, on crée un tableau dans lequel on saisit toutes les données concernant la carte. Si c'est une carte plate ou si c'est un globe, si c'est une carte du monde ou d'une région, on saisit également la position des pôles, de l'équateur et des zones climatiques, les descriptifs des mers et des pays et ainsi de suite. Anatoly Fomenko a appelé ce tableau de signes géographiques le carte code. En fait, il représente un modèle formalisé de la carte. On élabore le même type de tableau pour les autres cartes choisies pour effectuer cette comparaison. Ces données récoltées permettent de construire un graphique. Sur l'axe horizontal, on note le numéro de la carte et sur l'axe vertical, on marque le nombre de signes erronés. Disons qu'il y en a 24. Pour chaque carte suivante, les signes incorrects qui ne correspondent pas à la réalité doivent diminuer, alors que les signes justes, tels que le détroit ou des lignes justes d'une côte, doivent persister. Ainsi, le nombre total des signes incorrects doit diminuer et on doit obtenir une courbe décroissante. Cette même méthode a été appliquée à des cartes de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge. Il est alors apparu que les datations obtenues ne correspondent absolument pas à ce qu'on connaît aujourd'hui des tableaux modernes. Pour donner un exemple, les célèbres cartes de Ptolémée, qui seraient datées comme des cartes antiques du IIe siècle de notre ère, tombent au XVe, XVIe siècle, en se déplaçant sur l'axe de temps de 1000 ans au minimum. On poursuit avec les cartes d'Hésiode, d'Euclide, qui se sont avérées bien plus récentes que le 5e, 3e siècle d'avant notre ère. Elles se sont retrouvées à l'époque du Moyen-Âge, au 12e, 13e siècle de notre ère. La célèbre table de Pétanger, ou la carte antique de l'Empire romain, s'est déplacée vers le haut, sur l'axe de temps, et s'est retrouvée au 15e siècle de notre ère. Devant nous, c'est la carte très connue de Hans Rust de 1480. On peut bien voir que ce n'est même pas une carte, mais plutôt un joli dessin. Mais en principe, elle correspond au niveau de la cartographie du XVe siècle. Maintenant, pour comparer, prenons une des cartes dites anciennes de Ptolémée.
La contradiction est évidente. Une carte dite du IIe siècle de notre ère correspond au niveau des connaissances géographiques de l'époque de Colomb. Sinon, on devait croire que bien avant le XVe siècle, à l'époque de l'Antiquité, l'humanité avait créé des cartes détaillées et colorées, de niveau assez élevé. Puis, d'un coup, elle a perdu toutes ses connaissances et acquis et est retournée au chemin primitif. Mais durant cette époque, aucune catastrophe globale n'est survenue. Le développement de l'humanité ne s'arrêtait pas et chaque nouvelle génération n'était pas contrainte de redécouvrir le monde à partir de zéro. Comment est apparue alors cette datation antique des cartes géographiques assez réalistes? Les historiens ne sont pas en mesure d'expliquer ce paradoxe du développement de la cartographie. En revanche, l'explication est fournie par la méthode de reclassement et de juste datation des cartes géographiques de Fomenko. Elle permet de calculer l'époque réelle de l'apparition des cartes dites anciennes de Ptolémée. Ce n'est pas avant le 15e, 16e siècle de notre ère qu'elles ont été créées. Cela veut dire que dans la chronologie actuelle, il ne s'agit pas seulement d'une petite négligence. L'erreur se calcule par quelques centaines, voire par un millier d'années. Probablement, personne ne pourra croire qu'un enfant qui vient d'apprendre comment tenir un crayon dans la main ait été capable de dessiner un portrait précis et expressif d'un homme et qu'après, il soit retourné à nouveau aux arbres comme des traits et aux fleurs disproportionnées. Cette suite est vraiment peu probable. Vraisemblablement, les dessins d'enfants se sont mélangés, et c'est la seule explication possible. Parmi les historiens, il existe une opinion que parfois les chroniqueurs attribuaient à leurs gouvernants contemporains des qualités et des actions de certains autres rois qui avaient vécu bien avant eux. L'histoire traditionnelle nous dit que cet engouement étrange des chroniqueurs pour l'histoire ancienne était assez répandu. Cela a conduit au fait que dans l'histoire, on peut voir beaucoup de biographies d'anciens rois qui sont très ressemblantes. Pour révéler ces doubles, il ne suffit pas simplement d'étudier un grand nombre de biographies historiques. Cette information nécessite une systématisation. À cet effet, Anatoly Fomenko a développé un tableau qu'il a nommé l'enquête code. On peut présenter n'importe quelle biographie des chroniques sous forme de ce genre d'enquête pour l'analyser ensuite de façon indépendante de la subjectivité des chroniqueurs. L'enquête code comporte 34 critères et contient l'information détaillée sur chaque gouvernant, tels que son sexe, la durée de sa vie, la période du règne, son statut, s'il était un empereur ou un général ou un supérieur religieux, la cause de sa mort, les catastrophes naturelles, les phénomènes astronomiques, les guerres, les coups d'État et encore beaucoup de choses qui auraient pu arriver durant son règne. Anatoly Fomenko a effectué un travail énorme. Il a réalisé les enquêtes codes de quelques centaines d'anciens gouvernants principaux. Grâce à quoi maintenant, il suffit simplement de prendre une enquête code pour la comparer avec une autre. Ce qui est très important, c'est qu'à l'aide de cette méthode, on peut comparer non seulement les biographies des rois, mais de dynasties entières. On va choisir deux dynasties pour effectuer une comparaison. Dans chaque dynastie, on va prendre les enquêtes codes des rois qui se sont succédés. Anatoly Fomenko a appelé cette succession la suite d'enquêtes codes. Au début, on compare les enquêtes codes du premier roi de la première dynastie et puis du premier roi de la deuxième. Ensuite, on compare le roi suivant de chaque dynastie et ainsi de suite. En effectuant cette comparaison, il est important de savoir que si seulement deux biographies se ressemblent, ça ne veut pas encore dire grand-chose. Dans l'histoire, on trouve ce genre de biographies semblables assez fréquemment. Il est clair qu'il ne faut pas
tirer de conclusions chronologiques à partir de ce fait. Anatoly Fomenko a proposé un coefficient spécial permettant de calculer le degré de similitude des deux dynasties. Il est utilisé pour la comparaison de chaque paire d'enquêtes. Pour une meilleure représentation visuelle, les suites des enquêtes codes peuvent être représentées sous forme de graphique. On va marquer le numéro ordinal de chaque roi de la première dynastie sur l'axe horizontal X, et sur l'axe vertical, on va marquer le temps de son règne en année. Fomenko appelle cela le profil d'une dynastie. Ce profil peut être fait pour n'importe quelle famille monarchique, et il lui sera propre. On pourra toujours identifier une famille par son profil. On va réaliser le même type de graphique pour la deuxième dynastie. Les graphiques obtenus peuvent être comparés. Si les profils des deux dynasties diffèrent assez peu, ça veut dire qu'ils représentent une seule et même dynastie. Cette méthode de Fomenko est basée sur le principe de faible déformation. Le mathématicien a calculé que malgré le fait que les chroniqueurs se trompaient parfois dans la durée de règne d'un tel ou tel roi, ces erreurs restaient relativement insignifiantes. C'est pourquoi les profils construits sur la base des chroniques peuvent être considérés comme des profils individuels. Depuis la naissance, chaque personne présente des signes qui la différencient des autres gens sur la planète, qui la différencient non seulement de ses contemporains, mais aussi des gens qui ont vécu dans le passé et qui vivront dans le futur. Comment définir si sur trois photos on a la même personne ou si ce sont des personnes différentes? Les noms ne sont pas les mêmes, les biographies ne sont pas les mêmes, les papiers non plus. Une ressemblance d'apparence? Mais on peut changer l'apparence, colorer les cheveux, coller une barbe et des moustaches, enfin, faire une opération de chirurgie plastique. Ce qu'on ne peut pas changer, c'est l'ADN et les empreintes des doigts. Ils sont individuels et uniques. C'est pourquoi, avec une base de données suffisante, on peut toujours découvrir qui est la personne derrière une nouvelle apparence et un nouveau nom. Le profil d'une dynastie calculé par les mathématiciens, c'est pratiquement la même chose que les empreintes des doigts ou l'ADN d'une personne. Et si on découvre dans un document historique une nouvelle dynastie inconnue, simplement il faut dresser son profil et le comparer avec d'autres profils de la base de données. Sur ce graphique, on voit les profils de deux dynasties monarchiques, d'un ancien royaume de Juda du 6e 1er siècle d'avant notre ère et de l'Empire romain d'Orient du 4e 7e siècle de notre ère. Et ceci, ce sont les profils des dynasties souveraines du Saint-Empire romain germanique du 10e 13e siècle et de la monarchie des Habsbourg du 13e 17e siècle. Si on dispose ces profils des deux côtés de l'axe, il apparaît qu'ils sont quasiment symétriques. Dans ce cas, il apparaît alors qu'ils appartiennent à une seule dynastie. Cette concordance visuelle doit être vérifiée. Pour ça, il faut calculer la probabilité de coïncidence dans cette paire de dynasties. On découvre que cette probabilité est négligemment petite. Il existe une chance sur un milliard que dans des époques différentes et dans des pays différents, ont régné des dynasties royales qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Dans l'histoire officielle, on a trouvé un nombre assez important de ce type de dynasties jumelles. Nous avons découvert des paires de dynasties qui aujourd'hui sont considérées comme des dynasties indépendantes et qui ont existé dans des pays différents lors d'époques différentes. Disons, une dynastie régnait dans la Rome antique et la deuxième en Europe médiévale. Néanmoins, notre méthode a révélé que les graphiques des règnes de ces dynasties sont incroyablement similaires, sont proches de la même façon que sont proches deux paires de dynasties connues interdépendantes. On a appelé ces paires les doubles ou les fantômes. Il se trouve qu'ils sont assez nombreux, quelques dizaines. De cette manière, la méthode a démontré que certaines dynasties ont tout simplement été démultipliées dans l'histoire, démultipliées uniquement sur papier. Comment cela aurait pu arriver?
Il y a eu probablement deux raisons. Premièrement, les erreurs ont pu survenir par manque de réflexion, à cause du faible développement de la science à cette époque. Par exemple, les chroniques anciennes décrivaient la même dynastie, mais des interprètes de ces textes ont décidé qu'il s'agissait de gouvernants différents. C'est pourquoi ils leur ont donné de nouveaux noms et les ont déplacés dans d'autres époques. La deuxième et la principale raison, c'est que ces démultiplications ont été intentionnelles. Pour certaines forces politiques puissantes du Moyen-Âge, il était très important de réécrire l'histoire, en dissimulant ainsi quelque chose d'important à leurs descendants et à d'autres peuples. Nous allons en parler plus en détail dans nos films suivants. Les découvertes de doubles des dynasties de souverains induisent de nouvelles réflexions. Il est possible que certaines chroniques qui sont parvenues jusqu'à nos jours ne décrivent pas les événements dans l'ordre chronologique réel. Un chroniqueur, en décrivant les événements, mentionne obligatoirement des rois et des personnages importants de son époque. C'est leur caractère et leurs actions qui l'intéressent le plus. Pour le chroniqueur, il importe que rien ne s'embrouille. C'est pourquoi il essaie de décrire ses héros le plus précisément possible. Un livre à part pour chaque personnage. Les noms de ces personnages historiques, c'est le meilleur repère lors de l'analyse d'un texte. Un journal intime peut révéler beaucoup d'informations sur son propriétaire. Par exemple, prenons des notes d'un garçon nommé Petr. Il allait à l'école et avait des amis Ivan et Maria. On rencontre les prénoms d'Ivan et de Maria sur chaque page et plus d'une fois. Petit à petit, ces prénoms sont mentionnés de moins en moins et on comprend pourquoi. Petr a passé le bac et maintenant il est étudiant à l'université. Sa vie et ses fréquentations ont changé. Il ne voit Ivan et Maria que très rarement. Vers la fin du journal, leurs prénoms ne sont même plus mentionnés et c'est compréhensible. Petr a terminé ses études, trouvé un travail, fondé une famille. Dans sa vie, il n'y a plus de place pour ses amis d'enfance. Ce genre de logique est tout à fait justifié pour les chroniques. Chaque nouvelle génération engendre de nouveaux héros. C'est pourquoi, en décrivant des nouvelles générations, le chroniqueur dans son récit passe à de nouveaux personnages. Ce principe simple a servi pour créer une méthode de datation. Afin de vérifier si la suite chronologique des événements dans la chronique n'est pas changée, on va construire un graphique. Sur l'axe horizontal, on va marquer la suite des parts de texte. Sur l'axe vertical, le nombre de fois qu'un personnage donné a été mentionné dans une part ou une autre de la chronique. Si les événements sont décrits dans un ordre chronologique juste, on verra une courbe décroissante qui ressemblera plus ou moins à celle-là. On peut effectuer ce type de graphique pour chaque part de la chronique. Et pour chaque personnage qui y est mentionné. Anatoly Fomenko a appelé ce principe le principe des fréquences amorties. Et la méthode a été appelée rétablissement de l'ordre chronologique des textes historiques. Après de nombreux tests sur des documents historiques du XVIIe et XXe siècle, la méthode a pleinement prouvé son efficacité, ce qui veut dire que l'histoire réelle de cette période correspond bien à la version connue par tout le monde. Mais dès qu'on touche à des chroniques d'avant le XVIIe siècle, des choses incroyables se passent. Les graphiques des anciennes chroniques, réalisées à l'aide de la méthode de Fomenko, montrent souvent une ligne brisée avec des pics inattendus au lieu de la courbe décroissante. C'est-à-dire, des noms des personnages historiques oubliés reparaissent avec la même fréquence. Ce n'est pas un non-sens historique. Ce sont des morceaux de la chronique déplacés du présent vers le passé. Si on remet le morceau à sa place, le graphique regagnera son apparence du début de la courbe décroissante. Si sur les dernières pages de son journal, Petr parle uniquement de ses anciens amis d'enfance, qu'est-ce que ça voudrait dire? Petr aurait oublié tout le monde de son entourage? Il ne fréquente plus ses collègues et ses amis de fac, ne fait plus de nouvelles connaissances, et dans sa vie, il n'y a qu'Ivan et Maria? Difficile d'y croire. Probablement, cette page s'est détachée du journal et s'est retrouvée à la fin du cahier par hasard.
Les exemples mentionnés démontrent à quel point est embrouillée l'histoire de l'humanité. La chronologie de cette histoire n'est pas seulement déformée par endroits comme il apparaît, elle nécessite une révision générale et scrupuleuse. Que faut-il faire pour voir toutes les contradictions de la version historique couramment admise aujourd'hui? Peut-être faut-il construire une carte globale chronologique de toute l'histoire traditionnelle? À première vue, ça paraît impossible. Néanmoins, cette tâche s'est avérée réalisable. Anatoly Timofeyevitch Fomenko a décidé de comprendre quelle apparence a l'histoire mondiale en réalité. Pour cela, il a effectué un travail colossal. Il a étudié des centaines de textes, de tableaux, de chroniques anciens. Il a analysé l'histoire antique et du Moyen-Âge, de l'Europe, de l'Égypte, du Proche-Orient et de la Méditerranée. Il a étudié la plupart des documents qui décrivent les événements majeurs de l'histoire de l'humanité sur une période de 6000 ans, à partir de 4000 d'avant notre ère et jusqu'à 1900 de notre ère. Afin de présenter toute cette information visuellement, Anatoly Fomenko a créé un document qui n'a pas encore d'analogue. Ce scientifique a travaillé dessus durant 6 ans. Les informations collectées ont été représentées sous forme d'une grande échelle chronologique et tirées sur l'axe horizontal du temps. Sur ce tableau, il a indiqué les dates sur lesquelles insistaient les fondateurs de la version traditionnelle de l'histoire, Scaliger et Peto. Au départ, la carte a été réalisée sur du papier millimétré. Ensuite, elle a été scannée et l'image a été transposée sur un support spécial. Ce document unique épate par ses dimensions. La longueur de la carte est de 19 mètres. Ainsi, pour la première fois, on a créé la représentation graphique de l'histoire que l'on étudie dans les écoles et dans les universités. Des dizaines de milliers de noms, des milliers de dates ont été réparties sur ces cartes, ainsi que les informations sur des insurrections, sur des livres principaux, sur des textes sources, sur des chroniques et leur datation, sur des auteurs des chroniques, sur des astronomes, et ainsi de suite. Ensuite, on a appliqué sur ce matériel des méthodes que j'avais déjà mentionnées brièvement plus tôt, développées par moi-même et par mes collègues. Sur cette carte, j'ai marqué les doubles, c'est-à-dire des périodes qui, suite à ces méthodes, se sont avérées proches, ressemblantes et interdépendantes. Comment ça a été réalisé? Anatoly Fomenko a divisé toute l'histoire mondiale en plusieurs époques. Ensuite, chaque époque a été présentée en très détaillé sur l'axe du temps. Les événements qui ont eu lieu simultanément dans des pays différents ont été dessinés les uns au-dessus des autres. Afin de démontrer combien il y a eu de doubles des événements dans l'histoire traditionnelle, Fomenko a attribué des lettres différentes à chaque intervalle de temps. Par exemple, l'époque du deuxième empire romain a été désignée avec la lettre K. Avec ce même K, Fomenko a désigné tous les doubles qu'il a découverts grâce à ses méthodes. Il a attribué d'autres lettres à d'autres époques historiques et à leurs doubles, par exemple S et P, et marqué tout ça sur la carte. Ainsi est apparue une structure qui démontrait comment ont été disposés sur l'axe du temps les doubles des événements historiques. Cette carte a été intitulée la carte chronologique globale. C'est ce document qui démontre de quoi devrait avoir l'air la chronologie réelle des événements historiques. Avec évidence, dans l'histoire sont apparus 3 décalages principaux, approximativement de 300, 2000 et 2800 années. Les chroniqueurs médiévaux ont démultiplié sur papier beaucoup d'événements réels du Moyen-Âge et les ont envoyés dans le passé. Comment ça aurait pu arriver en supposant que cette erreur des chroniqueurs médiévaux n'a pas été intentionnelle? Prenons 4 chroniques anciennes. Toutes elles décrivent les mêmes événements qui ont eu lieu, disons, en Europe au XVe siècle.
Mais il faut savoir que les auteurs de ces chroniques ont vécu non seulement dans des pays différents, mais aussi à des époques différentes. Ils parlaient et écrivaient dans des langues différentes et utilisaient des calendriers différents. Il n'est alors pas étonnant qu'en traitant du même roi, de la même ville et de la même bataille, ils les nommaient différemment. C'est pourquoi, quand les chroniqueurs du XVIe, XVIIe siècle ont lu ces textes, ils ont décidé qu'il s'agissait de quatre époques complètement différentes. Et au lieu de placer ces chroniques sur l'axe du temps, l'une au-dessus d'une autre, ils les ont disposées successivement, l'une après l'autre. Une chronique est restée dans le XVe siècle, une deuxième a été déplacée de 300 ans dans le passé, une troisième de 1000 ans et une quatrième de 1800 ans dans le passé. On les a liés, suite à quoi a apparu une chronologie très longue. Les anciens textes ne peuvent être analysés objectivement qu'à l'aide de la statistique mathématique. Malheureusement, sans ces méthodes, il est impossible de construire une chronologie. C'est pourquoi, avant nous, on n'a pas pu créer une chronologie véridique. La chronologie existante se base sur des méthodes vraiment subjectives. Tant que dans l'histoire ne sont pas acceptées des méthodes véritablement scientifiques, telles que celles de l'astronomie et de la statistique mathématique, elle restera une science purement subjective avec un fondement mouvant. On peut dire qu'aujourd'hui, le projet La Nouvelle Chronologie de Fomenko-Nosovski est constitué de deux parties. La première partie, c'est de nouvelles études et des anciens textes et cartes à l'aide des méthodes mathématico-statistiques, ainsi que la nouvelle carte chronologique créée pour la première fois. On a réussi à la créer sur la base des vérifications croisées des anciens textes historiques et des cartes, effectuées à l'aide de toutes les méthodes développées. La deuxième partie, c'est une reconstruction supposée de l'histoire sur la base de la nouvelle échelle chronologique. Après avoir rétabli la chronologie réelle, les mathématiciens Anatoly Fomenko et Gleb Nosovski ont compris qu'il est nécessaire de reconstruire toute l'histoire mondiale, car l'histoire traditionnelle repose sur une chronologie erronée. D'autres scientifiques connus ont soutenu Fomenko. Ses recherches ont suscité l'intérêt des collègues non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger. En Allemagne, c'est le mathématicien, historien et écrivain Evgeny Gabovitch qui s'est consacré à de telles études. Ses travaux sur l'analytique historique, dans l'essentiel, développent la théorie d'Anatoly Fomenko. Quand je parle de la nouvelle chronologie russe, qui est maintenant appelée la nouvelle chronologie de Fomenko-Nosovski, j'emploie le terme de révolution chronologique. Je nourris beaucoup d'espoir que l'histoire traditionnelle, qui est une matière philologique, idéologique et mensongère, qui ne décrit pas le vrai passé mais un passé virtuel, que cette histoire pourra se transformer avec le temps en une véritable science sur le passé, que j'aimerais appeler passéologie. Alexandre Zinoviev, un philosophe et écrivain russe remarquable, un logicien professionnel. Après avoir étudié les travaux de Fomenko et de Nosovski, il est tout de suite devenu leur partisan. Quand j'ai eu connaissance d'un livre de Fomenko et Nosovski, j'ai été profondément secoué. Comment je peux le dire ? Simplement frappé. J'ai été frappé, mais aussi je me suis réjoui. Littéralement, pendant plusieurs jours, j'ai été sous l'impression de ce travail. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu rencontrer une grande découverte scientifique et j'ai éprouvé un énorme plaisir. Je pense qu'Anatoly Fomenko est un des scientifiques les plus géniaux, c'est incontestable. Mais en plus, c'est l'une des personnes les plus remarquables du XXe, XXIe siècle, l'une des plus exceptionnelles aussi. Je ne pourrais le comparer qu'à des savants comme Giordano Bruno ou Galilée. On sait qu'avant lui, il y en a eu qui se sont penchés sur la question de la vraie chronologie, comme Newton ou Morozov. Mais c'est lui qui a démontré au monde la vraie chronologie par une analyse systématique, scientifique et méthodologique, avec des calculs mathématiques. Les résultats des travaux des mathématiciens Fomenko et Nosovski sont frappants. Les nouvelles méthodes ont permis de trouver des réponses à des questions considérées comme impossibles à résoudre dans l'histoire traditionnelle.
Grâce à ces méthodes, on a pu découvrir des faits historiques qui n'étaient tout simplement pas connus avant. Par exemple, on a pu découvrir que l'histoire russe a été radicalement changée. Si les chronologies européennes et asiatiques ont été artificiellement rallongées, au contraire, la russe a été raccourcie et considérablement déformée. Les méthodes de Fomenko ont permis d'établir que plusieurs personnages historiques très connus en réalité n'ont pas existé. Il est apparu qu'ils ne sont que des doubles, des fantômes d'autres personnalités historiques qui ont réellement vécu. Aussi triste que ça puisse paraître, il apparaît qu'en réalité, depuis de nombreuses années, l'humanité a affaire à une énorme mystification historique. Tous les événements qui se seraient passés avant le Xe siècle de notre ère sont en réalité des réflexions fantômes, des événements réels survenus durant l'époque du Moyen-Âge, c'est-à-dire du XIe, XVIIe siècle de notre ère. Ils ont été mal datés et on les a fait passer pour un passé réel de l'humanité. C'est pourquoi les travaux des auteurs de la nouvelle chronologie ont une signification scientifique très importante. Je pense que cette découverte est une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Et si on prend le domaine des recherches historiques, c'est l'avancée la plus importante de tout le processus d'étude du passé de l'humanité. Vous allez apprendre à quoi ressemble la vraie histoire de l'humanité selon la version d'Anatoly Fomenko et de Gleb Nosovsky dans nos films suivants de la série documentaire « L'histoire, science ou fiction ». Le tableau créé est inhabituel, frappant. Pour certains, il paraîtra même choquant. Les civilisations anciennes nous ont laissé non seulement beaucoup de monuments historiques, mais aussi beaucoup de mystères. L'un d'eux, c'est le mystère des pyramides égyptiennes. Comment ont été faites ces constructions imposantes? Comment les anciens maçons ont pu préparer et déplacer ces énormes blocs de pierre? Est-il vrai que l'énigme de l'ancienne Égypte n'est toujours pas résolue? Pour connaître les réponses, regardez notre film suivant, L'alchimie des pyramides ou comment on a réalisé des constructions dans l'Égypte ancienne.